Mon internet ne fonctionne pas. Je ne peux pas travailler. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en même temps, j'imagine qu'avec la mini tempête, c'est peut-être ça qui empêche mon réseau de fonctionner. Non? Mais je suis bien embêtée. Heureusement, je n'avais pas de réunion ce matin. Oh là là. Oh! Ça marche! J'ai été rebootée deux fois tantôt, ça n'a pas fonctionné. Troisième fois, c'est la bonne. Jamais 203. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de partager. Là, je vous parle de mes déboires avec Internet et je ne vous ai même pas dit bonjour. Oh là là, je manque à tous mes devoirs. Bon matin et j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Vlogmas. 12, jour 12, est-ce qu'on est à la moitié du Vlogmas? Et je suis encore là? Je voulais aussi prendre un petit moment pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui regardent. Nintendo Girl! Merci de me laisser des petits messages d'encouragement. Je pense que tu sens que j'ai besoin d'encouragement là. Alors, elle me laisse des petits messages là, depuis quelques jours et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire. Franchement, ça me remplit de joie. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissante. Donc, je voulais commencer le petit vlog en vous disant merci beaucoup. C'est une période que j'affectionne tout particulièrement et je trouve que le Vlogmas, ça rend les choses encore mieux. Ça nous met encore plus dans l'ambiance des fêtes. J'ai un peu de retard dans mes vlogs, moi, à regarder. J'ai un peu de retard. Fait que je vais essayer de faire du rattrapage ce soir, c'est vendredi. Donc, je vais essayer de faire du rattrapage. Pas de film de Noël ce soir, mais rattrapage de vlog. Hier, j'ai terminé le deuxième épisode de Sex and the City. Oh my God! J'ai hâte pour la suite. Je suis retombée dedans comme si la série s'était jamais arrêtée. Je sais pas, ça va être... Je trouve qu'une mini-série de 10 épisodes, là, ça... on en veut plus. Déjà, j'ai juste regardé deux épisodes. Et je suis comme, oh my god, comment je vais faire quand ça va être le dernier épisode? J'en veux plus, quoi. Mais, je sais pas. C'était retombé un petit peu dans la féerie de Sex and the City. New York, puis la mode, puis je sais pas. En tout cas, j'étais vraiment contente. Mais, comme je vous disais hier, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ce premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Bref, c'est tout ce que je dirais sur le sujet. Mais, fait que c'est ça. J'ai regardé les deux premiers épisodes et là, j'ai hâte à la suite. Donc voilà, ce midi, j'aimerais beaucoup avancer mes cartes. J'ai commandé hier, finalement, j'ai été avec Jean Coutu. Mais j'ai toujours pas reçu de confirmation de réception de commande ou quoi que ce soit. Fait que ça me fait un peu peur. J'ai été avec Jean Coutu parce que je me suis figuré que ce serait peut-être plus rapide que Costco. Parce que Costco, je n'avais pas l'option d'aller chercher en magasin. Et c'était une livraison. Comme dans la semaine de Noël. C'était entre le... Je sais plus quelle est la date. Jusqu'au 30 décembre. Je dis quand même, oh, c'est un peu loin. Il faudrait que ça parte la semaine prochaine. Donc, si je n'ai pas mes photos la semaine prochaine, ce n'est pas grave. Je vais quand même envoyer les cartes. Et puis, au pire, plus tard dans l'année, je renverrai les photos qu'on a prises de la famille.
Donc voilà, fait que ça c'est mon plan pour la journée, du moins pour ce midi, de faire les cartes. Et en fin de journée, ou si j'ai le temps ce midi, mais je pense pas, mais j'irai acheter tout ce dont j'ai besoin parce que demain matin, je fais une activité avec mon amie Lucie et Thomas d'ailleurs. Thomas vient avec nous et on s'en va faire des biscuits de Noël. Donc, on va aller envahir sa cuisine. Et je lui ai dit, cache tes affaires, prépare-toi, mon fils, c'est une tornade. Cache tes trucs, cache tes petites bébelles et tes petites affaires parce que notre petit garçon, c'est une tornade. Donc, voilà, j'ai bien hâte d'aller faire des petits biscuits, mais fait qu'il faut que j'aille acheter quelques petits ingrédients, du glaçage, puis ces choses-là pour notre. Je pense que ça va être une petite matinée de biscuits de Noël. Donc voilà, fait que là je vais aller vraiment travailler parce que j'ai eu du retard avec mon problème de connexion internet. Et puis on se reparle plus tard. J'inscrive sur les étiquettes l'adresse de ma famille, puis j'ai même pas terminé. J'ai écrit presque toutes les cartes. Voilà, je peux vous montrer mon adresse, mais je vais coller les étiquettes sur les petites cartes qui me restent. Et puis, c'est ça, aller imprimer le tout. Et j'espère que je vais recevoir mes photos à temps. Si je les reçois pas à temps, disons que maximum mardi prochain, va falloir, maximum le 14, va falloir que toutes mes cartes soient parties. Donc, ouais, mine de rien, ça va vite tout ça et ça m'a quand même pris 1 heure faire tout ça. J'ai un peu pris de temps parce que je voulais imprimer sur des feuilles d'étiquette bien particulières, puis je ne trouvais pas la correspondance en tout cas. Bref, il a fallu que je fasse des petites recherches, que je download un template, en tout cas. C'est ça. Fait que oui, je suis bien contente. Au moins ça, c'est fait. Il restera à mon chum le temps aussi de signer. Puis je sais pas, peut-être que je demanderai à Thomas d'essayer de me faire un petit, je sais pas, une petite signature, Seigneur. Juste parce que, ben voilà, pour l'inclure un peu là, dans le processus. J'adore faire ça. Je fais ça depuis quelques années. Puis ça fait vraiment plaisir à ma famille. Donc, donc je suis vraiment. Ça me remplit de joie de faire ça pour eux. Puis c'est une petite pensée. Et, on n'a pas eu dernières années faciles dans ma famille. Donc j'aime croire que ça leur apporte une once de bonheur et de joie. Dans leur temps des fêtes aussi. Donc voilà. Fait que je vais terminer ça. Et puis, c'est ça. Il me reste à peu près un peu moins de 5 minutes avant de retourner travailler. Puis je vais clencher ça. Puis imprimer les étiquettes qui me restent. Et on se parle plus tard. I woke up this morning. I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day. Guys, les amis. Cet après-midi, j'ai reçu ma petite commande Bath and Body Works. Et là, je me suis dit, non, non, on partage avec les amis. Alors, la semaine dernière, si vous suivez ou si vous recevez les infolettes, vous aurez certainement vu qu'il y avait une promotion. Les chandelles étaient à 11,95. Alors,
J'en ai profité. Hein? Regardez-moi ce paquet. Il n'y a pas mon adresse ici. Regardez-moi ça. J'ai quand même été raisonnable. J'en ai juste pris 5. Mais je suis bien excitée. Il y a des chandelles où la plupart, je pense que j'ai pris à l'aveugle. Donc, ouais, on va ouvrir ça ensemble. J'ai terminé ma journée de travail. Je voudrais faire ça tout de suite avant que Thomas arrive. Alors, première chandelle. Ça, je pense que je sais ce que c'est. C'est ma préférée, celle-ci. Oui. C'est Marshmallow Fireside. J'en commande toujours. À chaque année, j'en commande au moins quelques-unes parce que c'est ma chandelle préférée. Et je me fais du... dans le fond, du stockage. C'est tout. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que ça sent bon. Dans le fond, je ne la fais pas brûler s'il m'en reste pas au moins 2. Donc, je vais pouvoir en faire brûler une que j'ai actuellement. Je vais ressentir encore. Quel bonheur. Oh! J'étais en évaluation de fin d'année. Quand j'ai reçu le colis, j'avais quasiment envie d'ouvrir, mais j'étais comme, oh! Je me suis excusée auprès de ma boss, puis j'étais comme, voilà, j'ai reçu un paquet. Puis là, je suis comme, oh, ma commande! Fait que ça, c'est Marshmallow Firestyle, le premier. On va mettre ça ici. Deuxième. Je pense que j'en ai commandé 2 Marshmallow Firestyle, je sais plus. Ah, ça, c'est à l'aveugle. Mary Cookie. C'est biscuit fraîchement cuit, cristaux de sucre étincelant, riche vanille. Vous savez que j'aime beaucoup le... Si vous me suivez, vous savez que j'aime aussi beaucoup la vanille. Oh! Elle a été un peu... Elle bouge un peu. Ouais, hein? Elle bouge un peu. Ouais. Ça sent sucré, ça sent les biscuits, les bonbons. Ça me fait penser à quelque chose. J'arrive pas à savoir. Bref, ça sent tout ce que j'aime, tout ce qui est sucré. J'ai comme l'impression que c'est... Que ça bouge un peu, ouais. Elle est un peu décollée. Je le sens bouger. Mais c'est pas grave. Regardez-moi l'emballage, comme c'est beau. Parce que je me suis rendu compte qu'à part Marshmallow Fireside, je n'avais pas vraiment de senteur des fêtes. J'en avais plus. J'ai fait une grosse commande cet été. J'étais en magasin faire un gros achat. Ça, c'est l'autre bougie. Ah non, oh, ça ressemble. L'emballage ressemble à Marshmallow Fireside, mais non. Ça, c'est Mahogany Vanilla. Give Peace. Donc, ça ressemble à ça. Ce que ça dit, la fragrance, vanille chaude, bergamote fraîche, doux bois de santal. Ça aussi, c'est en... c'est à l'aveugle que je l'ai pris. Et ce qui m'a gagné, c'est la vanille et la bergamote. J'aime beaucoup la bergamote. Oh. Oh oui, ça va être bon. Ah, ça sent l'homme. J'adore les chandelles qui sentent l'homme aussi. Donc moi, j'ai 2 tendances. Soit ce qui fait très boisé, oriental, ou sucré, vanille, praline. Mais ça, là, ça sent l'homme et c'est très bon. Je savais que ça allait être un succès. Donc, c'est Mahogany Vanille, Acajou Vanille. Donc, on a 2 dernières. Comment est-ce que j'ouvre ça? Hello? Hello? It's me. Ok. Ok, donc elle, c'est la deuxième Marshmallow Fireside. Fait que ça, on va pas... On sait. Ah, je sais pas si c'est le froid, hein. Je pense que c'est le froid. Elles sont toutes un peu comme décollées. C'est un peu plate, mais bon. Fait que là, c'est la deuxième Marshmallow Fireside. Et la dernière... C'est
jolie. Love, Cotton Candy Champagne. Ça aussi, c'est à l'aveugle que je l'ai prise. Et c'est rosé pétillant, fraise fraîche, sucre rose. Mmh. Ouais. Ça sent les baies, ça sent, je sais pas, ça sent le un peu fruité. C'est moins dans ce que j'aime, mais je crois que le côté sucré le rend agréable. Ouais, ça va être mignon comme tout. Et je pense que ça va très bien aller dans mon salon, ça. Oh, j'aime beaucoup. J'aime bien. Oh, je suis pas contente de ma commande. Mais dans mon bureau, la semaine prochaine, je vais pouvoir... je vais pouvoir reprendre... faire brûler une chandelle marshmallow fireside que j'attends parce que c'est ça, comme je vous dis, j'aime ça avoir du stock. Sinon, je ne les fais pas brûler parce que ça, là, c'est de l'or. C'est de l'or. Et que, ben voilà, je voulais vous montrer ça avant de vous quitter. Je pense que ça va être assez pour le vlog aujourd'hui. Là, mon petit coco va arriver. Je vais profiter de ma soirée avec lui. Comme hier, là, je trouve que je m'ennuie de lui, même si les matins sont pas toujours évidents. Donc, je vais essayer de profiter de ma soirée avec lui. On va essayer de faire des jeux, peut-être des bricolages. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, moi, je vais vous quitter ici. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé la vidéo. On se voit demain pour la suite du Vlogmas. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!